L'institution Tahar City, c'est une association d'utilité publique qui œuvre dans l'éducation depuis 70 ans. Donc aujourd'hui, ce projet il sera en collaboration, partenariat avec l'École normale supérieure de Casablanca. Donc il a un objectif, ou plutôt il est venu répondre à une problématique à trois principaux. Donc le premier point, c'est le taux des femmes inactives à 15 ans et plus, qui avoisine les 80%. Il y a aussi le programme qu'a lancé le Maroc, le programme national de l'éducation inclusive, qui est encore un chantier, qui est un processus qui nécessite beaucoup de co-construction avec beaucoup d'acteurs qui sont concernés par la thématique de l'éducation inclusive. Et il y a aussi le nouveau modèle de développement qui invite à renforcer les capacités du capital humain, et le considère comme un levier pour l'égalité des chances. Donc aujourd'hui, il y a le problème, on cible deux objectifs. Donc on cible la dimension de l'apprendre et la dimension de capital humain. L'apprendre, c'est pour aider ces femmes qui sont généralement la cible. Le projet, c'est les femmes issues de milieux, c'est les filles issues de milieux défavorisés et les mères d'enfants en situation d'handicap ou là en situation difficile. Donc renforcer chez eux les capacités, par la professionnalisation pour le métier d'auxiliaire de vie scolaire, et aussi pallier le manque l'ICAIN aussi pour les AVS, parce que l'ICAIN a une demande immense pour le métier d'auxiliaire de vie scolaire, mais il n'y a pas de il y a une demande énorme, mais il n'y a pas de le métier, mais quelqu'un suit des personnes qui s'intéressent à le métier. Donc aujourd'hui, le projet il est venu justement sensibiliser sur l'importance du métier d'auxiliaire de vie scolaire, et de deux, c'est justement l'autonomisation des femmes. Principalement qui sont issus de milieux défavorisés et les mères des enfants en situation de handicap, les sortir un peu de leur isolement et les rendre des citoyennes actives, et en but et l'autonomisation des femmes et l'autonomie des enfants en situation de handicap ou là en situation difficile. Donc il a des objectifs éducationnels et sociaux. Et je reviens à l'institution Tahar City pour dire qu'aujourd'hui l'institution elle développe un modèle d'entrepreneuriat social qui vise justement l'éducationnel et le social avec de la construction avec tous les acteurs de l'écosystème qui sont concernés par la thématique, raison pour laquelle le projet il a été élaboré avec l'École normale supérieure de Casablanca, qui vont prendre la partie théorique pour la formation. Donc ça veut dire que cette formation passerelle de 6 mois, elle aura 4 domaines de formation. Le premier domaine, il va porter sur l'accompagnement social éducatif. Le deuxième domaine, il va parler sur la communication professionnelle en travail social. Le troisième domaine, il va concerner le développement personnel. Et le quatrième domaine, ce sera les dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux autour des enfants en situation de handicap ou là en situation difficile. Donc l'objectif qui m'a goûté, c'est la dimension de l'apprendre, la dimension du capital humain. L'École normale supérieure de Casablanca, elle aura la partie théorique pour chaque domaine. Il y aura les formateurs de l'institution Tahar City qui vont prendre la pratique, vu que c'est l'action qui nous a poussé aujourd'hui, l'action, l'éducation inclusive qui nous a poussé aujourd'hui à élaborer l'idée de ce projet et qui sorte aujourd'hui en pratique. Et il y aura aussi une partie pour les témoignages de l'expérience de ces femmes après chaque domaine de formation pour alimenter avec les témoignages, alimenter une table ronde qui sera organisée vers la fin du projet avec les parties prenantes et les personnes concernées par la thématique. Donc l'objectif, c'est que ces femmes, justement, elles vont être formées, elles vont sortir de l'isolement, elles vont sortir de l'exclusion sociale, plus d'intégration sociale, et aussi être des citoyennes actives. Et aujourd'hui, pour le domaine, d'ailleurs le quatrième domaine, la dynamique interinstitutionnelle, c'est pour qu'elles puissent renforcer le réseautage avec d'autres associations, avec d'autres écoles qui opèrent, qui œuvrent dans l'éducation inclusive, à ce qu'elles puissent transmettre leur savoir, leur expérience, à d'autres acteurs qui sont actifs dans l'éducation inclusive. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.